C'est le dernier poste de l'armée malienne avant la ville de Diabali. Cela fait 5 jours que l'armée française a commencé son intervention au Mali. Au bout de cette route, à 40 km, Diabali est tombé entre les mains des djihadistes. Ils ont envahi la ville et sa région après avoir été repoussés par les forces spéciales françaises. En guise de rempart, environ 25 militaires maliens bloquent la route. Ils contrôlent tous les véhicules. Elle vient d'où la voiture là ? Bon, c'est vers Diabali. Diabali ? Oui. Pendant 4 heures, les militaires, méfiants, tolèrent ma présence sans m'adresser la parole. Et progressivement, les langues se délient. Je vais apprendre qu'il y a quelques jours, certains d'entre eux ont combattu les islamistes à Diabali avant de prendre la fuite. On était tous à Diabali. Et alors, comment ça s'est passé là-bas ? Non, là, je ne vais pas entrer dans les détails. Non, pas les détails, mais... Non, je ne vais pas entrer dans les détails là quand même, soyez assurés. Mais ils étaient trop nombreux, ils sont surpris. Tout le monde sait que ces gens-là sont trop nombreux. Tout le monde sait ça. On s'est battu pendant 2 jours. On n'avait même pas à manger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Que Dieu nous vienne en aide. À tout moment, ils peuvent venir là. À tout moment, ils peuvent venir. Donc, pour ne pas que... Et vous avez pas... Ici, vous êtes quoi, les arrêter ? Ici, vous avez de quoi... Ah bon, moi, en tout cas, je sais pas comment on va faire quand même. En tout cas, quand même, on fera de nos mieux. Pendant les 2 jours où je resterai dans ce checkpoint, je ne verrai pas de militaires français. Les soldats maliens me donnent l'impression d'être isolés et dépourvus de moyens sérieux. Et les Français, ils viennent pas vous aider ici ? Ils viennent nous aider, on veut leur aide même. Mais ils viennent de temps en temps ou pas ? Ils viennent ici ? Ils viennent, ils sont venus hier. Ouais. Et ils sont retournés aujourd'hui. Et là, vous êtes tout seul, alors ? Ils sont partis à Markalaïwa, je sais pas. Et vous avez pas de radio, vous avez rien, vous êtes tout seul là ? Non. S'ils arrivent, les autres, vous faites quoi ? Dans ce checkpoint, les militaires maliens contrôlent les civils qui fuient la zone depuis l'arrivée des djihadistes. Ils sont plusieurs milliers à faire ce voyage exténuant, commencé pour certains il y a 3 ou 4 jours. Il y a des gens qui viennent laisser tout, même des enfants. Chacun cherche son tête. Parce que les djihadistes, maintenant, ça ne va pas. Les militaires du poste de contrôle en profitent pour s'informer sur l'attitude des djihadistes vis-à-vis de la population. Ils empêchent les gens de sortir, non ? Si, si, ils sont sortis. Sinon, auparavant, ils l'aident déjà à sortir, mais cette fois-ci, ils disent que personne ne sort. Tiens quoi, Touani ? Sinon, depuis avant-hier, nous, on a sorti, nous, on était à Niasmoa. Donc, de là, maintenant, ils ont commencé à bloquer la population. Ils disent que personne ne sort pas et ils sont là pour la sécurité des gens. Comment les gens vont sortir ? Cela en fut à temps. Mais les djihadistes se serviraient de la population bloquée sur place comme bouclier pour se protéger des bombardements français. Il y a des bombardements depuis hier soir, vers 18h comme ça, après la nuit, vers horaire aussi. Les avions qui bombardent là, quand ils voient ça, ils fuient. Mais quand ils voient l'hélicoptère seulement, ils commencent à tirer là-dessus. Les civils sont pour la plupart des paysans. Ils ont tout laissé derrière eux, n'emportant que le strict minimum. Ils arrivent à pied ou sur des véhicules de fortune, comme ces charrettes. Donnez-moi vos papiers. Ils sont où, vos papiers ? On a fui la guerre précipitamment. On n'a pas de papiers. Bon, attendez. On est parti en urgence. Dès que les combats ont commencé, on a fui. On n'a rien pu prendre. Vous allez où, là ? Vous allez où ? On va dans la région de Ségou. Attention. Merci. C'est à 150 km d'ici. Je décide de les accompagner pendant leur voyage. À 13 sur une charrette, ils n'iront pas bien loin. Ils l'abandonnent dans la ville la plus proche. C'est Abdoulaye Diarra qui organise le voyage. Et comment vous allez à Ségou, alors ? Il faut qu'on trouve un autre véhicule pour aller à Ségou. Abdoulaye voyage avec ses 2 femmes et ses 4 enfants. Il accompagne aussi la famille d'un de ses amis qui est resté à Diabali pour garder le bétail et les cultures. Finalement, un bus arrive. Allez, paye maintenant. Il paiera 1 euro par personne. C'est beaucoup d'argent pour ces familles de paysans.
Alors que tout le monde s'entasse dans le bus, la femme de l'ami d'Abdoulaye est assise à l'avant. Dans ses bras, un nourrisson. Il a quel âge, ton enfant ? Aujourd'hui, il a 3 jours. Et tu as accouché où ? Quand on a quitté le village, j'ai eu mal au ventre. Et j'ai accouché en chemin. C'est un garçon ou une fille ? C'est un garçon. Comment il s'appelle ? On ne lui a pas encore donné de nom. Le voyage durera 8 heures. Je les accompagne en voiture. En chemin, nous croisons les forces spéciales françaises lourdement armées. Elles se dirigent sans doute vers le poste de contrôle que nous venons de quitter, à 60 km d'ici. Ce sont ces hommes qui ont empêché les djihadistes de s'approcher de Bamako. Le soir, vers 6 heures, c'est l'arrivée au village. Abdoulaye va retrouver une partie de sa famille qui l'attend. Il est accueilli par son beau-père. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors, comment ça s'est passé ? C'est la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Un jour, on a été réveillés par les combats. Ça a duré plus d'une heure. La situation était vraiment mauvaise. On a décidé de s'en aller. Que Dieu nous aide à retrouver la paix. Abdoulaye, sa famille et celle de son ami vont être hébergés au village le temps que la paix revienne à Diabali. Ils savent que plusieurs semaines, plusieurs mois peuvent s'écouler avant qu'ils ne retrouvent leur maison et leur terre.